Un frère demande un conseil par rapport à des conflits dans le couple. Allahu Akbar, il y a beaucoup de choses à dire. <laughs> il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait une série de cours qui s'appelle Le foyer musulman, dans lequel je donne pas mal de conseils dans la manière dont un foyer musulman fonctionne. Déjà, si ce cours est, cette, cette série est écoutée et mise en pratique, mais là, je pense, 90% des problèmes seront réglés. Ça, c'est déjà une, une première partie de réponse. Donc, je vous dirige à aller écouter cette série, hommes et femmes. Et chacun l'écoute pour lui, pour la mettre en pratique lui, non pas l'écouter pour dire ah t'as vu toi tu fais pas ça, ah toi. En fait, juste pour juger les autres, pas pour se remettre en question soi-même, ni se corriger soi-même. Ça sert à rien. C'est encore pire comme ça. Celui qui écoute juste pour corriger les autres, c'est pire. Deuxième élément de réponse, c'est un problème éducatif. On n'a pas été éduqué comme il faut pour être des bons époux et des bonnes épouses. Les parents n'ont pas fait totalement leur devoir. La société dans laquelle on a vécu ne nous a pas enseigné ça, nous a enseigné qu'à assouvir nos passions et à courir derrière nos désirs et nos plaisirs. Donc, quand on se marie, on est des, des, des gamins. On est des gamins. Euh, capricieux, euh, mal éduqués. On boude. Des, des enfants, des bébés. C'est-à-dire, quelqu'un, il a 30 ans, c'est encore un bébé. Il boude comme un bébé de, de 5 ans ou de 7 ans. Tu ne peux pas communiquer avec lui, tu ne peux pas trouver une solution au problème. Donc, ça, ça prouve un manque de maturité. Et ce manque de maturité, il est lié à la, 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 la société dans laquelle on a vécu, où on est infantilisé, on est toujours comme des. Mais même les filles femmes de 60 ans, maintenant, elles se prennent pour des enfants. Même de 70 ans, oui mais je suis encore jeune. 70 ans, je suis encore jeune. Et ça, Tout ça c'est lié au fait qu'on n'est pas attaché à l'au-delà, qu'on n'a pas compris notre rôle dans ce bas monde, qu'on n'a pas édu été éduqué dans ce sens-là. Parfois, malgré toutes les bonnes volontés, et un effort de l'homme sur son caractère et son, euh, son comportement, et un effort de la femme sur son comportement, et un effort des deux pour faire leurs devoirs euh, conjugaux au mieux, Parfois, il y a des caractères, qui ne... il y a des personnes qui ne s'entendent pas. qui Elles n'ont Elles pas des caractères complémentaires. Le mariage, c'est une entraide. Souvent, on va trouver chez la femme des qualités qu'on n'a pas chez nous. Ou la femme va trouver chez l'homme des qualités qu'elle n'a pas. Il faut pas croire que ça se passe bien que quand deux caractères se ressemblent. Non, parfois, ça ne se passe pas bien si deux caractères se ressemblent. Parfois, quand il y a des caractères opposés, ça se passe bien. Parce qu'ils se complètent. S'ils si arrivent à se comprendre... S'ils arrivent à communiquer, ça se passe bien. Mais sinon, non. Bien sûr, s'ils n'essayent pas de communiquer et de se comprendre et de régler les problèmes, ben, ce sera toujours, toujours en opposition. Ça, c'est un autre point que je peux citer. Un, un dernier point, c'est le, le mal qui a été répandu par la mauvaise éducation et la pensée féministe qui a pris le dessus. La pensée féministe, il ne faut pas croire que c'est seulement les, les féministes en, aux cheveux courts qui passent à la télé. Hein. La pensée féministe, elle est rentrée chez les femmes en iqab, chez les sœurs qui se disent sadafiyah, elle est rentrée partout. La pensée féministe, c'est essayer de faire euh, dire aux textes qu'ils ne le disent pas. De faire croire que l'islam, il défend le féminisme, alors que ça, c'est impossible. Et ça, ça pose des problèmes. Pourquoi Parce que la pensée féministe, c'est de mettre en opposition toujours l'homme et la femme. Que l'homme et la femme, ils sont dans un combat permanent à la maison. Qui va prendre le pouvoir ils ne sont pas là pour se compléter, pour s'entraider. Ils ne sont pas là pour. Euh, la femme, elle n'accepte pas son rôle d'être obéissante à son mari. Euh, ce mot, déjà, ça la, ça la rend folle. Soumise. Si on dit une femme soumise. Ah, oh, soumise Qu'est-ce que ça veut dire soumise Moi, je suis soumise qu'à Allah. Et alors Si tu es soumise à Allah, tu es soumise à ce qu'Allah t'a dit d'être soumise aux ordres de ton mari. Ce n'est pas contradictoire. Ou docile. Soumise, peut-être, ce n'est pas un bon mot. Allez, j'enlève le mot soumise. Docile. C'est un défaut pour les gens. Docile, c'est une qualité. Moi, moi, je considère que c'est une qualité. Une femme docile, c'est une qualité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'avis, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son mot à dire, ou donner son avis, ou discuter, ou qu'elle n'a pas ses choix. Non, non. Docile, ça veut dire qu'elle elle est toujours dans le sens d'être affable, d'arranger les choses, d'être obéissante en dehors de, de la désobéissance d'Allah, de faire tout en, en sorte que tout se passe au mieux. C'est ça, docile. Ça, pour vous, c'est un défaut. Bah, pour les femmes d'aujourd'hui, c'est un défaut. Pour les féministes d'aujourd'hui, c'est un défaut. Pour les coachs là, dont j'ai parlé hier, les coachs de Chepan, c'est un défaut. Il faut que la femme s'affirme, il faut que la femme ait son propre projet. il faut que la... Donc ça fait des problèmes dans les couples. Allez, aujourd'hui, je vais en donner un peu pour les hommes, parce qu'on dit que je tape beaucoup sur les femmes. Les hommes, les bébés, qui ne savent pas s'occuper des familles, qui ne savent pas être de vrais hommes. Parce que ça aussi, les femmes, si elles sont féministes, c'est parce qu'il y a aussi les hommes, ce n'est pas des vrais hommes. Ils sont pas capables de prendre leurs responsabilités comme il faut. Un homme c'est pas celui qui crie et qui tape. Un homme c'est celui qui prend ses responsabilités, qui est là pour protéger sa famille, les femmes de sa famille, pour faire en sorte pour les mettre dans le confort religieux et matériel, ce qui va pas en contradiction avec la religion, ce qui est dans ses capacités, ce qui peut les aider à pratiquer leurs ordres religieux. Un homme c'est celui qui prend ses responsabilités à bras le corps. Un homme, c'est celui qui s'est gardé la tête froide dans les difficultés et qui sait surmonter les difficultés et qui encourage sa famille, qui les tire avec lui vers le mieux. C'est pas la première épreuve, il, il, il baisse la tête, il s'enfuit, il fuit ses responsabilités, il est toujours dehors avec ses copains, euh, comme un gamin, comme à l'époque. Non. Donc euh, les hommes aussi, ils ont un gros problème. Un, un capitaine qui joue pas son rôle, bah qu'est-ce qui se passe Le navire, il, il va à la dérive. Donc moi, je blâmerais plus les hommes que les femmes. Parce que s'il n'est pas capable de tenir son navire droit, s'il y a des problèmes dans son navire, il y a la rébellion, il y a des problèmes, c'est qu'il ne sait pas tenir son navire. C'est que ce n'est pas un homme. Et un homme, il doit faire l'effort les... de compléter l'éducation de sa femme. Peut-être qu'elle n'est pas comme il veut tout à fait, mais il doit compléter pour qu'elle soit comme il, il désirerait qu'elle soit. Et il fait l'effort sur elle, avec le bon comportement. Avec les dons matériels, avec les cadeaux, avec les belles paroles, avec l'enseignement. Quand c'est nécessaire seulement avec la, la fermeté et la dureté. Ça, c'est comme le sel dans le plat. C'est dans la nécessité. C'est pas à la base. La base, c'est pas ça dans une relation. Barakallahu Donc là, je vous ai donné plusieurs pistes. Écoutez, Inch'Allah, le, le, la série de cours que je vous ai donnée. Et on demande à Allah de nous permettre de nous corriger tous. On a tous besoin de se corriger, corriger notre comportement, corriger nos manières, d'être des bons époux, des bonnes épouses, de penser à l'intérêt général, le bien des enfants, le bien des... Ça, c est, c est... il n'y a plus beaucoup de personnes qui ont les... maintenant le, le, le... la valeur de la famille, des valeurs familiales. Pour eux, la famille, ça ne veut plus rien dire. Pour un oui, pour un non, ils cassent des familles. Donc, mon conseil euh, à ce frère, c'est faites le maximum pour arranger les choses. Et les disputes, si vous y réfléchissez bien, je suis sûr que 90% des disputes, c'est des disputes futiles, qui n'ont pas lieu d'être, qui pourraient s'arranger en, en disant à la personne, à, à, à sa femme, une bonne parole au lieu de lui répondre par une mauvaise parole. Et en patientant un peu si elle dit des choses qui ne sont pas très acceptables. Et de l'autre sens, pareil, que la femme, elle se rabaisse et. Qu'elle euh, qu donne une bonne parole. Si chacun fait des efforts, ça se passe bien. Mais si chacun veut avoir en, euh, raison toujours, et comme j'ai dit, l'esprit féministe, qu'il y a toujours le conflit, la guerre entre les hommes et les femmes, parce que c'est ça chez les féministes. Le, la relation homme-femme, elle, elle est basée sur le conflit. Qui va être le plus fort Ce n'est pas une relation d'entraide, de rahma, de miséricorde, euh, d'amour, euh, de. de de, 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 mi de miséricorde, de compassion. Non, non, non. Il n'y a rien de tout ça chez eux. C'est la guerre. Tous les, toutes les armes sont permises. Voilà, c'est ça c'est ça l'esprit féministe. Et malheureusement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos sœurs qui sont touchées par ça. Quand on va parler avec elles, Elle va dire Non, moi je suis contre le féminisme. Mais à la maison, comme la manière dont elle agit, ses revendications, sa manière de s'opposer toujours à son mari, à tout ce qu'il dit. Bah, ça dit le contraire de ce qu'elle dit avec sa bouche. Barakallahu Fikou. Kala